Canal pour la chaîne pour la On TV News, l'autre fois encore, nous entrons dans la pour nous porter une nouvelle vidéo. Nous allons parler d'enquête sur disparition journaliste Vladimir Leganier, côté en pile rumeur à courir, mais pour aucune déclaration, pour aucune enquête qui sert, qui fait quoi que journaliste en limon, ou bien il là, ou bien il en exil quelconque. Mais d'après rapport, d'après enquête, la police nationale, 6 plus que 16 moun déjà jouent arrestation dans le dossier si la Koyo va répondre à la question de la justice pour bail éclaircissement sous disparition du journaliste Vladimir Leganier côté depuis bon nombre de temps qui était sorti, qui proche, qui pas jamais entré, tout le monde a posé cette question qui côté journaliste l'a fait. Moi, invitez-nous pour entendre déclaration. Porte-parole la police là sous dossier si là. Restez branchés on TV News pour plus de commentaires, pour plus de vidéos. Moins de 16 arrestations ont été effectuées dans le cadre de l'enquête diligentée sur la disparition du photojournaliste Vladimir Leganier. A fait savoir le porte-parole adjoint de la police nationale. Il informe que des bandits armés de Grand Ravine et du village de Dieu seraient impliqués dans cette disparition. S'agissant de l'assassinat du journaliste Rospide Pétion, l'inspecteur divisionnaire Gary Deosier s'est contenté de dire que l'enquête est en cours. Nous l'écoutons à nouveau. Dans quatre dossiers, journaliste, photo, Jimmy Leganier. Nous avons dit qu'il y a 16 arrestations en total qui sont faites dans quatre dossiers. Et nous réalisons qu'il y a une liaison de base Grand Ravine et village de Dieu qui, justement, c'est là où basé et Mounsaïo t'a impliqué dans la mort. Pardon. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas dire la mort parce que il était justement à vérifier parce que il y a une analyse ADN non, qui, jusqu'à présent au niveau laboratoire, nous pouvons jouer un résultat. Alors nous pas en mesure pour le moment pour nous confirmer parce que on dit la mort folle, déclarer Fok Noël et justement après ADN, Fok, justement pour nous pour comparer et pour nous dire. Et à savoir résultat ADN, non, ni beaucoup pareil. Mais il y a 16 personnes qui ont arrêté. Et tout le monde a transféré dans le cabinet d'instruction. Dossier surtout. Concernant la mort, analyste politique Pétion Rospide, qui a travaillé dans la radio sans fin, n'a dit que l'enquête est en cours. Et DCPJ déjà tendait et moun dans quatre dossiers. Bon, c'est certain que l'enquête là n'a pas approfondi, parce que il y a des versions qui viennent joindre nous. On a analysé pour approfondir. Et au moment opportun, dès qu'il y a une évolution, on a mis famine et population au courant et la presse. Plusieurs véhicules ont été hier matin la cible de tir de bandits armés à l'entrée de la ville de Saint-Marc. Cependant, aucune victime n'a été recensée. Les détails avec Guiliano, c'est facile. Nègre à armes attaqué dans un précision au sud de Saint-Marc. C'est machine qui a pris direction capitale haïtienne dans Panio, machine qui sortit dans la commune de la Corée. Action s'est arrivée matin jeudi, 11 juillet 2019. Il y a une machine qui recevoir plusieurs cartouches. C'est quatre pas de vigilance, chauffeur, qui fait. Et les gens qui sont victimes, sont autorités, mais de plus vigilance dans la sécurité de Saint-Marc, côté, ce n'est pas la première fois, les gens qui ont commis mauvaise action dans plusieurs coins dans la ville, plusieurs citoyens dans la communauté, ont des difficultés pour les mettre un jour pour alvaquer à l'activité. À cause de crainte pour ne pas victime, on va mettre les gens qui ont plaisir d'opérer avant jour dans la ville de Saint-Marc, dernier jour, ça y est, il y a notre base de Saint-Marc, la division de l'île. Le tronc d'arbre baptisé Kitanago a été brûlé mercredi soir à Wanamet, exposé depuis 2013 à la maison des jeunes de Wanamet. Ce tronc d'arbre symbolisait la mise en commun d'énergie et de l'unité entre les Haïtiens Rosny Petit. Citoyens qui vivent dans la ville Wanamet, levés, jeudi 11 juillet 2019, là, joignent Bois Kitanago. T'es sorti dans la ville Les Iwa pour venir dans Wanamet, pour les rapiéter. Divers mondes t'es sorti tout partout pour venir garder qui Jean Bois Kitanago t'a pris du feu. Responsable maison de jeunes Wanamet, là, côté Bois Kitanago, t'es exposé à pas en mesure pour bailler explication sur qui qualité moun qui entre prend bois là et mette du feu là-dedans. C'est lorsque je me suis levé, je me suis constaté côté que moi ouais, effectivement, il y a un cadre dans la barrière principale et pour entrer dans la VDH là, écrasé. Il y a un espace et, dans côté bois, il y a même dans une fenêtre et puis il y a un trou
creusé et c'est par là-dedans que mon n'a passé ou bien mon n'y a passé et il ouvert pour taper en dedans et par la suite boire les mêmes sorti en dedans. Plusieurs citoyens Radio Vision 2000 questionnés fait quoi geste ça pas un bon geste parce que c'est tout haïtien qui te mette main pour te capable montrer qui Jean peuple haïtien qui a fait l'unité et lorsque yo uni yo qu'arrivé fait gros bagage et ça fait mal. Raison qui fait mal c'est parce qu'il était gagné en tête ensemble qui était sorti avec boire et pour arriver à Wanamet. Ça fait mal c'est parce que c'est Wanamet qui boule tout. C'est bon, bon geste. Et bois qui t'en a gonflé, c'est un biki bien déterminé. D'une façon spéciale, le plus souvent, il y a plus de 40 personnes qui vivent. Et dans la cour, là, qui dorment, là, qui levent. Et c'est un bagaille que nous-mêmes, nous levons dans la matinée, qui c'est sur les réseaux sociaux que nous avons boulé. Que nous ne connaissons pas qui façon que nous faisons boulé. Il y a divers lots qui croient ces bagailles mystiques qui t'a réglé. Et eux-mêmes, ils n'ont pas caché contentement pour boire ça qui boulé. Bon, ça va déranger, mais ben, mystique à mon qui t'a réglé. En tout cas, ça a bien. Fait bien parce que bois à bouler. Rosny Petit Wanament, Vision 2000. La gestion du dossier Petro-Caribie a provoqué la chute de l'ex-premier ministre Jean-Henri Séan. Selon Georges Jean-Baptiste et Pascal Adrien, deux de ses anciens proches collaborateurs. Dans leur ouvrage « Toutonné, l'histoire interdite de la chute de Jean-Henri Séan », ils expliquent dans le document que le président Jovenel Moïse a tout fait pour bloquer l'avancement du dossier. Les auteurs affirment par ailleurs que le notaire avait tenté de sauver sa tête en soudroyant des sénateurs Diego Charles. Dans cet ouvrage, Pascal Adrien et Georges Jean-Baptiste expliquent clairement que le président Jovenel Moïse n'a jamais eu la volonté de faire la lumière sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Monsieur Jean-Baptiste explique que la demande publique de ce dernier à Jean-Henri Séan de faire du dossier Petro-Caribé son cheval de bataille était tout simplement une attitude politiquement correcte qu'il était contraint d'adopter face au déferlement populaire qui exigeait la tenue du procès Petro-Caribé. Georges Jean-Baptiste raconte aussi que les malaises étaient déjà visibles dès la rencontre de validation de l'énoncé de politique générale de M. Séan au Palais National. Aujourd'hui, le président de la République, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a un déferlement de monde dans la rue, particulièrement les jeunes, les Petro-Challengers, qui a venu dire « ban nous comme Petro-Caribé ». Le président est obligé d'adopter sa nouvelle attitude politiquement correcte. Donc, en aucun cas, le président n'est pas capable de demander Jean-Henri Séan pour le prendre comme cheval de bataille Petro-Caribé, mais c'est ton discours pour la consommation. Mais là, pour nous valider document de déclaration de politique générale là, le directeur de cabinet du président, M. Wilson Lalo, mandé pour retirer une phrase parce que phrase va gagner la donne pour demander international la support pour mal chercher toute cop que nèg te volé dans question Petro-Caribéa. Pascal Adrien lui confie que le chef de l'État n'a tellement pas la volonté de favoriser l'aboutissement du dossier qu'il s'était même permis de demander à Jean-Henri Séan de ne pas publier les copies des contrats passés dans le cadre des fonds vénézuéliens. Où tes premier ministre, yon nan mission te gen se Petro-Caribé. Le président personne relo la veille que ou doit publier ensemble contrario Jovenel Moïse dit pas publier contrario mais nous avons dit bon pas un problème n'a pas mourir avec ça dans que nous parce que gomba écrit les secrets d'état etc mais plein de secrets d'état nous ouais ça roube nous là comme viaduc Delma ensemble route qui était supposé faite qui pas faite l'école l'hôpital et la trier. Les actions entreprises par Jean-Henri Séan dans le sens de l'avancement de l'enquête étaient très mal vues par les proches collaborateurs du chef de l'État. Certains y ont même vu un complot visant à renverser Jovenel Moïse. C'est donc ce qui a valu à Séan d'être éjecté de la primature. Mais yo tellement pas vle pour ça. Si Jean-Henri Séan c'est le premier ministre du président de la République, chaque fois Jean-Henri Séan font pas dans sens Petro-Caribé, vu que on paquet moun dans palais national te getan soupçonné dans premier rapport sénateur, c'est que Jean-Henri Séan est en train d'aller à l'encontre des intérêts du palais et par conséquent, monsieur non plan pour le remplacer moun dans palais, donc président Jovenel Moïse. Fort de cela, Jean-Henri Séan se devait de tout mettre en œuvre pour rester en poste. Ce qu'il avait fait notamment en ramenant la bataille politique dans l'arène du Parlement. Mais il s'est fait berner au Sénat et les députés en ont profité pour donner le coup de grâce, révèlent les deux ex-collaborateurs de l'ancien candidat à la présidence. Jean-Henri Séan, un personnage politique naïf, il a profité de tempérament, monsieur. Comment comprenons-nous nos séances dans le Parlement, trois sénateurs arrivés? Bon, écoutez, atati patata, 15 minutes plus tard, un ouais, sénateur a sorti. C'est Claude Rivé. Bon, rentré sorti, ouais. Mais il n'a jamais levé 16. Pas jamais bien corrompu. C'est pour vous dire que ouais. Premier ministre là, il a trompé. Nous prenons comme là, mais nous guettons contre ça de le faire. Au premier appel nominal du président du Sénat, il y a 15 sénateurs dans la salle là, il y a n'importe 3 dans la cour. Oui. Mais corrompu, c'est 16 à l'intérieur de la salle ouais. De séance. Dans leur révélation, Pascal Adrien et Georges Jean-Baptiste confirment que sous son administration, Jean-Henri Séan était impliqué dans plusieurs actes de corruption.
À titre d'exemple, l'ex-premier ministre a mis sur payroll et soudoyé des sénateurs pour pouvoir garder son poste. Diego Charles, Vision 2000. Et Georges Mi, Jean-Baptiste et Pascal Adrien ont également fait des révélations, ont du moins confirmé des informations concernant la libération suivie du transfert vers les États-Unis des 7 suspects étrangers arrêtés dans les parages de la BRH. C'est l'ambassadrice américaine qui avait informé le Premier ministre de cette décision, ont-ils révélé, ajoutant que le ministre de la Justice, Jean-Roudy Ali, avait refusé pas moins de 25 appels de Jean-Henri Séan et pendant qu'il organisait le transfert des présumés mercenaires. Jean-Baptiste a également précisé que le garde des Sceaux de la République a pris ses décisions sur demande du président Jovenel Moïse. Ce dernier avait d'ailleurs appelé directement le commissaire de police qui était sur place immédiatement après l'arrestation des 7 mercenaires et avait tout fait pour empêcher que le Premier ministre soit au courant de l'affaire. Écoutez les explications de Jean-Baptiste. La question des mercenaires, moi-même Pascal a dit de l'autre conseiller, le Premier ministre a appris que l'ambassadeur américain dans le téléphone dit que Mounio allait, que c'est normal. Et monsieur Tenguin, courage pour les ambassadeurs. Vous avez violé la loi haïtienne et vous n'avez pas ce droit. Parce que nous aussi en Haïti, nous avons nos lois. Il fallait laisser les gens pour être sur procédure de façon à ce que, même si tu as une nécessité pour aller, c'est la justice qui permet que vous allez. Pourquoi ça, c'est l'ambassadeur qui est obligé de dire Premier ministre ça? Parce que le ministre de la Justice a refusé 25 appels environ. Et le Premier ministre a fini ça. Ok. Premier ministre dit, je vais démissionner. Et pour l'histoire et la vérité, moi-même avec Pascal nous dit, on va écrire la lettre. La lettre de démission. Ouais. Exact. Ou en général, la lettre de démission de manière très laconique, ça. Non, nous on va écrire la lettre. Et on était catégorique. Mais le conseiller t'a dit, bon, lui-même, il n'est pas d'accord. Et quelques temps après, il dissuade le Premier ministre. Ça veut dire qu'il s'est arrivé. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. C'est normal. Et ce jour-là, nous étions très fiers. Nous étions très fiers de lui. On le dit dans le livre. OK? Parce qu'il a parlé avec l'ambassadeur vraiment avec un pile courage. Là, ça, c'est ministre de justice. Oudiali. Mais ça le tape ma honte. Oudiali a brigué les questions pour le voyer mercenaire. Il paraît qu'on appelle Premier ministre. Il lui répond appel Premier ministre. Le mouvement d'aller. Il dit il y a des procédures qui sont tracées. Est-ce que décision que ou dit Ali, ministre de justice prend, il ne pas prendre pour compte lui. Président. Certainement. Certainement. Clairement. Oui. Ouais. C'est sur demande du président de la République. D'ailleurs, nous dit dans le chapitre là, président, ce n'est pas le mercenaire pour aller le faire. Ali, depuis l'heure arrêté, mon premier ministre n'est pas pour courant. Premier ministre, c'est parce que commissaire de police, après mon qui est le président de la République là, oui. Malheureusement, pour lui, pour commissaire de police, ça a tenté d'informer supérieur Chicli. Pas qu'après. C'est à ce moment, de manière très fortuite, que pour Premier ministre prend le courant. Dans l'épisode ça, par exemple, qui ça est mercenaire de faire? Parce que Pablo, non, et on sort de bout. Je présente ça comme un bout que pour Emine Santé fait. Mais pour l'histoire et la vérité, qui a mentionné ça de une fait ici? Pour l'histoire et la vérité, Valérie. Pour Emine ministre, la semaine qui précédait, pas bien dans 20 mercenaires, dans dimanche, nous faisons un discours à la nation le 16. Dans la même semaine, ça, il y a deux faits que nous disons déjà, mais m'a partagé avec opinion. C'est un grand étonnement pendant un jour, les collaborateurs, petit monsieur, dame communication, et puis nous avons un drone sous résidence là. Et puis nous disons, monsieur, ça, son drone, oui. Et à plusieurs reprises, on a été informé le Premier ministre. Quelques temps plus tard, il y a un monde qui a venu, plusieurs monde dit, ah, mon monsieur devant là, oui, qui dans machine, qui quand on a fait photo, et plusieurs monde où il a été fait. Dimanche, très tard dans l'après-midi, pour le ministre, j'ai un coup de fil, il dit, mais mercenaire arrêté, il a été fait tentative la guerre, le ministre justice débarqué, etc. Le Premier ministre fait CSPN seul lui-même. Comme moun nan l'État, avec tout ce qu'on a comme gratuité qualité qui part au courant. Et à ce moment de la durée, le premier. Qui part au courant de qui ça? Qui part au courant de qui son mercenaire? Ah d'accord. Oh, tout n'a pas dit c'est raison d'État, c'est l'État qui t'a décidé. Comment l'État fait décider l'affaire des mercenaires entrer que le Premier ministre n'a pas lui-même le courant? Vous devez faire qui ça? C'est à ce moment que le Premier ministre conclut pour dire que monsieur Dame ça a rentré au tapal dans le BRH, le gouverneur de la BRH, t'es vide dans CSPN pour le dire. Nous pas de jamais gain. Qu'un rendez-vous à personne, pour le ministre, maintenant nous te descendons dans le bureau. Et du bureau du Premier ministre étant où est d'au BRH, c'est à ce moment que le Premier ministre conclut que si M. Sao n'a pas monté sous BRH, c'était pour visualiser bureau et parlement parce qu'il n'a pas été au courant, machine pas été au courant, machine qui était dans mes mercenaires, c'était machine de collaborateurs privilégiés président de la République. Là, tentative faite aux côtés de président avec ministre que lui-même a un pouvoir sur eux pour libérer les mercenaires. Le Premier ministre était en droit de croire.